L'émission Monseka de Malewa Moderne vous dit bonjour. Aujourd'hui au menu, nous avons les côtes de porc que nous avons choisi de présenter avec du safou et le ngaï ngaï rouge. La recette du ngaï ngaï rouge est déjà disponible ici dans l'émission Monseka de Malewa Moderne. Bande kobalandi émission Monseka ya Malewa Moderne topesili no mbote esengo mingi kokuta na bino lisusu lelo pona elubu ya sika oyo tokosala nini lelo tokolamba mipanzi ya ngulu na safu na pembeni toza na ngainga ya rouge oyo recette nango ça déjà awa na émission Monseka ya Malewa Moderne ce que ça les recherche au commandant toko senga na bino bo s'abonner na émission Monseka bo liker bo partager bo commentaka et ça la ka bien na page pele beyaba de la cuisine ardessienne bo zanga te ko aimer to recepela makasi ko tanga bino. Abonnez-vous, nous vous prions de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, d'aimer la page Beyaba de la cuisine RDCienne, qui est la page attachée à ce groupe. Alors, de quels ingrédients aurons-nous besoin pour réaliser notre recette du jour? Eh bien, nous aurons besoin de quelques ingrédients que nous allons bientôt vous présenter. Toza na bosenga nini pour na sala elubu na biso. Toza posa à moi bikila kila oyo to ko présenter bino sikoro. L'émission Monseka de Malewa Moderne vous dit bonjour. Mbote ba ninga bandeko ya émission Monseka ya Malewa Moderne. Lelo tokutani lisusu potolamba mipanzi na biso tole yango na ngainga yo a rouge. Tole yango na safu. Amis de l'émission Monseka de Malewa Moderne, au menu en ce jour, nous avons les côtes de porc que nous allons accompagner de safou ainsi que de ngaï ngaï rouge. Le ngaï ngaï rouge, on en a déjà parlé à l'émission Monseka. Il y a plusieurs vidéo qui traite du ngaï ngaï. Il y a une vidéo qui nous explique que le ngaï ngaï n'est pas l'oseille. Donc le ngaï ngaï n'est pas l'oseille. Suivez cette vidéo pour bien comprendre. Il y a aussi une vidéo où nous vous avons présenté le ngaï ngaï rouge. Donc aujourd'hui nous allons faire cela. Et aussi nous allons vous montrer chaque étape de la préparation. À tout de suite. Voilà, après avoir dégraissé le porc, les côtes de porc, à la manière dont nous l'avions apprise dans une vidéo qui nous apprenait à dégraisser le cuisse de poulet séparé. Voilà, nous avons dégraissé et nous allons mis à cuire. La citronnelle est là. Voilà. Je vais laisser cuire pendant longtemps parce que nous savons que c'est le porc et que il y a certaines contaminations qui peuvent se faire aussi à l'homme. Donc il faut cuire le porc pendant longtemps. Voilà,
dans l'huile. Je mets la tomate. Et là, j'ajoute les oignons. Je continue à mélanger. Et j'ajoute mes côtes de porc. Voilà, ça sent vraiment bon la citronnelle. Un bel arôme. Voilà, je laisse que quelques instants, je vais mélanger de temps en temps. Voilà, et là, j'ajoute le bouillon de cuisson. Donc quand j'ai bouilli mes côtes, je n'ai pas ajouté cette eau, je l'ai réservée. Et dans cette eau que je viens d'ajouter là. J'ajoute l'oignon riston, le piment. L'oignon nouveau, la partie blanche ainsi que la partie verte. J'ai préféré le couper grossièrement. Je le rajoute. Voilà. Que je laisse cuire. Voilà, nous laissons cuire et dans quelques minutes, juste quelques minutes, ce sera prêt. Et nous allons voir ce que nous allons faire avant de retirer la casserole du feu. Voilà, c'est cuit. J'éteins le feu. Et j'ajoute le cerveau. C'est quand ma casserole est bien cuite que j'éteins le feu et que j'ajoute le safo qui lui va se ramollir avec la chaleur. Voilà.
je couvre. Voilà, c'est bien cuit. J'éteins le feu et je rajoute les safous qui vont se ramollir avec la chaleur. Voilà. Comme nous le savons, le safou n'a pas besoin de cuire. Il y a la chaleur qui est ramollie. Et je rajoute mes jeunes oignons. Je couvre. Je couvre juste pour quelques minutes. Dès que ce sera prêt, nous allons passer à table. Après, toye ko bakisa mipanzi na biso na kati wana, to baloli baloli bien, to sangisi bien, tango ekomi, to moni e beli bien, to jusi ko mayo, to tokisa e nango mipanzi, toye to bakisi. Mipanzi na biso pe, to tokisa ki ona mwa sinda na kati, hein? Po na aroma ya kitoko ya sinda wana isalaka bien. Donc, toye totie, tango ebeli, nde na suka, to kitisi nzungu na biso na moto, to jwi basafu na biso, totie, to finike. Basafu elembi kara na molonge. Voilà, elubu facile. To singa na bino kaka, bo tikala toujours scotché na émission Moseka, bo aimé, bo like, bo partager, bo s'abonner. Bo kende pe na page le beyaba de la cuisine RDCN, bo s'abonner, bo aimé, bo commentaka et on sala biso vraiment bien. Bon appétit amis de l'émission Moseka de Maliwa Moderne, notre plat est prêt, prêt à être dégusté. C'est vraiment très bon. Comme vous l'avez vu, ce n'est pas difficile à cuire. Nous l'avons servi avec de la chikwang ainsi que le ngai ngai rouge dont la recette est déjà disponible dans l'émission Moseka de Maliwa Moderne. Biso wana to servir biloko na biso, to utai kolamba, to servir ango na kwanga. Pena ngainga ya rouge, elubu ya ngainga ya rouge. Eza deja na emisyon Moseka ya Maliwa Moderne. Voilà. Tole angona kwanga. Eza kitoko, bomoni ndenge to salaki. To tiaki mipanzi na biso na kati ya nzungu. Après avoir kolongo la ba graisse. Ndenge balongola ba graisse, émission Moseka Maliwa Moderne, et si la kisa biso yango, et la kisa biso ndenge kolongola ba graisse na cuisse, donc kolongola ba mafuta nyonso, wana esalaka mabe na nzoto, na misisa nzoto na biso. Donc tolongoli mafuta, totie na nzungu wana tobakisi tangawisi, feuille de laurier, muscade, litungulu aïe. Et puis, toto kisi yango, na mwandembi, toto kisi yango, tango et toki bien, neteza mipanzi angulu, vraiment toto kisi yango très très bien. Après, toye, totie nzungu na biso na moto, totie totie tomate, matungulu, to mélanger très très bien.
Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui prépare l'émission Mon secret de Malewa moderne.